Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Est-ce que vous connaissez ce piège à souris là, le piège multiprise? Si oui, bon tant mieux. Si vous connaissez pas, bah écoutez, laissez-moi vous le présenter. Et quoi de mieux pour le présenter que de le mettre en situation avec un copain ici? Voilà, d'ailleurs il y en a trois. J'ai trois souris et comme ça vous allez pouvoir vraiment comprendre comment ce type de piège fonctionne. Également le mécanisme et le comportement de nos amis les souris. D'accord? Allez, je vous mets ça en place. C'est parti, regardez bien. Donc voilà, donc là c'est parti donc pour la découverte de ce piège, d'accord. Donc c'est le multi-couch mouse trap, ok. Donc en français clairement piège à souris multi-prise, multi-capture, d'accord. Donc on va l'ouvrir. Donc forcément, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est pas le packaging. Hop, voilà. Hop, ça je l'écarte. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une boîte en métal, d'accord? Pourquoi le métal? Forcément, pourquoi pas du carton ou du bois? Tout simplement parce que le rongeur est incapable de ronger la ferraille, tout simplement. N'oubliez pas les rongeurs, le verre, la ferraille. Sinon, ils rongent tout. Le carton, le bois, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, voilà. Là également, vous avez un couvercle transparent qui permet de visualiser très rapidement et facilement s'il y a une capture, d'accord? Voilà, c'est visuellement, je trouve ça très, très intéressant. Ensuite, donc, pour l'ouvrir, on l'ouvre comme ceci. Ça s'ouvre. Ici, forcément, vous voyez, il y a un emplacement assez grand, d'accord? Que vous pouvez attraper. Moi, j'en ai déjà attrapé sur le terrain en moyenne. Le plus que j'ai fait, c'était 7 souris. Et également, forcément, vous avez la place pour mettre l'appât, hein, l'appât qui va attirer les souris. Alors, tout simplement, la souris va rentrer soit ici, soit ben, forcément, on a la même chose de l'autre côté, d'accord? Voilà. À l'intérieur, vous avez un système de bascule, ce qui va faire que la souris va pénétrer ici. Et avec son poids, ça va venir se refermer ici. Et avec son poids, elle va basculer donc dans ce compartiment-là. Mais une fois qu'elle sera là-dedans, forcément ici, ça va se relever. Donc là, elle sera en incapacité totale de pouvoir s'extirper du piège. C'est vraiment très simple. Et ensuite, bah forcément, allez hop, on en drape une, deux, trois, éventuellement plus. D'accord? Voilà. Maintenant, pour la mise en place de l'appât, très simple. Je la mets à l'endroit, j'ouvre. Moi, ce que j'utilise généralement, c'est ce type d'appât. Donc, ce sont des blocs aromatisés Nara. Donc, il y a plusieurs saveurs. Hein. Le bleu, c'est vanille. Ici, on a chocolat noisette. Et ici, on a viande. D'accord? Donc, généralement, bon, tout fonctionne. Hein. La souris est omnivore. Hein. Genre, tout fonctionne, mais j'ai noté. Donc, ça, c'est vraiment mon expérience qui parle. J'ai noté une préférence pour le sucré. Voilà, tout ce qui est chocolat, beurre de cacahuète, ça marche vraiment bien. Donc, vous voyez, je vais utiliser un bloc vanille et un bloc chocolat. Voilà, n'oubliez pas que les souris, les rongeurs, sont capables de faire la distinction des odeurs, d'accord? Voilà, tout se ne mélange pas chez eux. Ils sont vraiment capables de distinguer l'odeur du métal, l'odeur du chocolat, l'odeur de la vanille. C'est très simple. Là ensuite, une fois que j'ai fait ça, je referme. Voilà, et il faut toujours positionner contre un mur, d'accord? N'oubliez pas que les rongeurs longent les murs. Donc là, vous voyez, j'ai une entrée là et une de l'autre côté, donc forcément, je le mets dans ce sens-là. Là, il est contre mon mur, d'accord? Je vérifie que mes appâts sont bien dedans. Regardez, ben ils sont là, au bord. Donc là, je mets mon piège contre le mur, au niveau des passages des souris. D'accord, là, vous voyez des excréments, etc. Vous positionnez le piège de cette façon-là. Vous vérifiez que tout est bien fermé. Là, votre piège est prêt. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ben, c'est très simple. On va faire le test. Comme ça, vous allez comprendre le comportement des souris et comment elles rentrent donc visuellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la GoPro qui est en train de filmer là, je vais la placer à l'intérieur. D'accord. Et le reste, la vue aérienne, je vais la filmer avec mon téléphone pour vraiment que vous puissiez un maximum vous rendre compte de comment ça fonctionne. Donc, 1, 2, 3. Hop, bingo. Bon, là, j'espère que vous avez bien vu le mécanisme, le comportement des souris. Au moins, là, visuellement, je pense que vous allez vraiment mieux comprendre que certaines de mes explications. Là, un visuel, des fois, c'est 10 fois mieux. Donc là, vous voyez, forcément, j'ai mes 3 souris qui sont à l'intérieur, d'accord? Une fois qu'elles sont capturées, forcément, on peut aller les libérer. Vous allez dans un bois, vous ouvrez le capot, vous les laissez sortir, vous refermez. Et bien évidemment, vous pouvez réutiliser cette boîte-là si éventuellement vous avez encore des problèmes, d'accord? Concernant tout ce qui est bloc comme ça, ces blocs-là sont valables, ils restent actifs pendant 3 mois, d'accord? Donc, vous embêtez pas. Là, j'ai capturé 3 souris, je les dégage.
je remets mon appât au centre, je referme, je remets la boîte et au moins là, c'est carré. Voilà. Alors, vous allez me dire sans doute dans la vidéo, ouais mais Mickaël, ouais là c'est facile, t'étais sûr de les avoir puisqu'entre guillemets elles sont enfermées. Alors oui, mais le but n'était pas là, d'accord ? De toute façon, ceux qui suivent mes vidéos, vous voyez très bien que sur le terrain, j'en attrape des souris. Là, c'est des souris blanches que j'ai été acheter en magasin. Forcément, mais vous voyez bien dans les autres vidéos, quand je suis sur le terrain, c'est vraiment de la souris grise, vous le voyez bien, hein, voilà, ça s'achète pas dans les magasins, il n'y a pas de fake entre guillemets quoi, voilà. Donc c'était vraiment une vidéo pour pouvoir que vous puissiez comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne et le comportement des souris. J'espère en tout cas que ça vous a plu, c'était un petit peu original, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, là je me suis dit bah vas-y fais-le, il n'y a pas de problème, voilà. Allez, bon, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos, d'accord. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!